Fight. Oh, avant, MC One pose la question. Quel est son point de vue sur la justice aux États-Unis? The Troy Davis situation is a travesty and is a real black eye on America, period. Because I had a friend, and this I'm gonna try to make this as brief as possible. But a friend of mine on Facebook posted a statement that hip hop now is part of the reason why Troy Davis was executed, and I disagree because. We've had marches, we've had other music, and 400 years, and we still have the same problem. So no matter what music was made years ago, it still doesn't help us right now. It takes us coming together as people and attacking. Like right now, Georgia has a really big problem because so many people, they protesting now, and it takes, and you hate to see someone die to start a change, but sometimes a life must be taken to initiate change. Non, il dit que la justice aux États-Unis a été beaucoup travestie, beaucoup utilisée, beaucoup manipulée, que par exemple comme la dernière exécution qu'il y a eu de Troy Davis, c'est un peu peut-être dû à ça que certains accusent, alors que par exemple là en Géorgie, il y a beaucoup de gens. Ouais, justement, je vais en parler après dans ma chronique. Ok. Voilà. She make a chronicle about that. And voilà. Quand par exemple en Géorgie, il y a beaucoup de gens qui manifestent et qui sont contre ça. Qui sont contre ça. Là, on va passer avec le membre de Rough Rider France qui est là. Allô ? Allô ? Allô ? Ouais, tu nous entends ? Ouais, je t'entends nickel. Frère ? Ouais. What's nickel, up ? C'est parfait. Hey, Bello. What's up, Mike ? You already know, baby. I'm in the hood. Yeah, see you soon, bro. Ok. Donc là, en vrai, explique-nous un peu quel est le délire. Comment. Quel est le concept, le lifestyle Rough Rider à la française? Bah, disons que le lifestyle à la française, bon, est modelé quand même, on va dire, à 90% sur le modèle américain, mais il y a quand même 10% qu'on doit adapter en fonction, justement, de l'historique de la France, notre place par rapport, justement, à l'histoire américaine. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est un partenariat, c'est une famille, en fait. C'est une famille, les Rough Riders, avant tout. Ok. Et parce que pour beaucoup de gens, attends, je fais les traductions en même temps. The next question that for a lot of people that I know, I talk for my people, no, they see like it's like just a copy, just a joke, yes. Et toi, ce que veux dire pour les gens que moi je connais, quand souvent ils entendent ça. Rough Rider France, mais c'est pas que Rough Rider France, à partir du moment où il y a un concept américain adapté en France, oui. Pour eux c'est une blague. Bon, les gens veulent faire, c'est comme quand tu vas dans une boîte à Paris, t'es, les gens, il y a Puff Daddy, il y a Rick Ross, tu vois, il y a les copies, quoi, tu vois. Et est-ce que c'est ça? But, ouais, disons qu'il y a quand même des préjugés, on va dire, c'est l'état d'esprit, puis l'état, on va dire aussi que l'esprit, on va dire, motoclub, entre parenthèses aussi, parce que bon, je fais partie de la division bike, l'esprit motoclub n'est pas ancré dans les mentalités françaises aussi, donc, mais bon, faut pas oublier, bon, les Américains, on les a aidés à l'époque de Lafayette, leur constitution est un peu basée sur le système, on va dire, français, parce que c'était un exemple à l'époque, eux, ils sont venus nous aider après, je veux dire, après, bon... On a une histoire assez liée, oui, il y a un rapport quand même, il ne faut pas cracher dessus. Voilà, non, en vrai, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a toujours eu des interactions entre la France et les États-Unis. En vrai, le Rough Rider France, c'est juste c'est une continuité d'échanges culturels. Voilà, d'échanges culturels. Puis, bon, il y a certaines valeurs qu'on retrouve qui nous conviennent. Je veux dire, même parfois dans la France, il y a des choses qui nous déçoivent. Je veux dire, dans n'importe quel sport, on n'ira jamais siffler un... Enfin, je conseille à personne de siffler l'hymne national américain là-bas, parce que s'il en sort dans le coma, je veux dire, c'est un rescapé. Hein. Voilà, ouais. Je veux dire, il y a des valeurs, des respects qui sont partis de France. On ne sait pas, je ne sais pas comment. Enfin, il y a des choses, c'est ce qui me dépasse. Ouais. Qui ne sont pas de mon ressort.
Mais on constate et puis on voit quand même ce qui se passe ailleurs. Maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, tout va très vite. On peut vite avoir des contacts. Enfin, c'est bien. Il faut partager, c'est l'important. Donc en vrai, aussi, le fait qui vous a séduit dans le concept Refrider, c'est le retour à certaines valeurs. Justement, comme il disait, rendre service à la communauté, être présent pour les gens et tout ça. Voilà, tout à fait. Tout à fait, rendre service à la communauté, faire des charity events pour les hôpitaux, les enfants malades. Il y a beaucoup de choses, je veux dire. C'est une famille, je veux dire. Il y a aussi, mis à part tout ça, derrière, c'est une famille. On est beaucoup ensemble. On fait beaucoup de choses ensemble. On réalise beaucoup de rêves ensemble. Et je pense que c'est ça le plus important, d'avoir une vie bien remplie. Voilà, il y a Mike Supreme qui va intervenir. OK, Mike. What I was going to say is the Europe Rough Riders are solid. People see the vest and they think DMX and stuff like that. And it is. Is it like this guy, Willow, on the phone? Mm-hmm. I hang with him. I can come all the way from Chicago to France. I can come from Chicago to Amsterdam, Italy, Germany. We have multiple chapters all over Europe, and they're growing. So it's still a movement. So whether DMX is around or Eve, or it's still people that ride and love motorcycles. It's not just music, and it's all together. Okay. En vrai, bon, ce qu'il a dit, c'est que pour les gens, quand ils entendent Rough Rider, pour eux, c'est DMX, c'est Eve, c'est tout ça. Mais en vrai, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que entre chaque chapitre, que ce soit le Rough Rider US ou en Europe, les gens traînent ensemble, ils se connaissent, ils se fréquentent, que ce soit en Italie, en Hollande, en France, et que vraiment il y a un vrai rapport. Il y a pas de personne n'est supérieur à personne, et ce qui les entoure, c'est aussi l'amour de la moto, et voilà, c'est pas que la musique. Voilà, j'ai une petite parenthèse, on a quand même, bon, on a une hiérarchie, on a des grades. Ça fait partie du lifestyle aussi. Ouais, bien sûr. Mais en gros, ce qu'il veut dire, c'est que c'est surtout par rapport aux artistes, parce que pour les gens, eux, ce qu'ils connaissent, c'est surtout par rapport aux artistes, mais à l'intérieur, il y a tout. C'est un peu comme, moi, mon point de vue, c'est un peu comme l'armée. Des fois, tu vois, je veux dire, il y a des gens qui sont au-dessus, chacun à son poste. Et moi, quand j'étais à Réunion Europe à Amsterdam, j'ai vu que c'était du sérieux, que chacun jouait bien son rôle. When I was in Amsterdam, I saw that people take it seriously. Yes. Like everybody plays part. Yes. That's cool. Yeah, I like also something to say. If you like to have further information, you can go on the official Rough Rider Europe webpage. It's roughriders-europe.com. And we inform there about the different chapters we have, like Italy, Germany, UK, everybody, every chapter. And we have the possibilities. Everybody has a possibility to inform himself and to come to the annual meetings we have. Just first starting some hang around to go more in touch with the chapter, and then to OK. Yeah, yeah. Donc en vrai, pour ceux qui veulent en connaître plus, ils peuvent aller sur le site www.roughrider-europe.com et intérieur pour s'informer des chapitres qu'il y a en Europe et tout ça. Donc on va te remercier. Allô? Bah, merci à vous en tout cas, hein. Franchement, merci beaucoup. Merci d'avoir intervenu et parler de ça, et à la prochaine. Et avec plaisir. On espère te voir. N'oubliez pas qu'il y a le concert le 17 octobre avec Mike Supreme et XV Blackara au point éphémère. C'est du lourd. Et puis, juste pour dire que voilà, chez les Refs, il n'y a pas que des gens au départ connus au niveau artistique, et puis, mais c'est des pépites, quoi. Je veux dire, musicalement, c'est frais, et puis voilà, c'est lourd. Tu soutiens. Donc voilà. C'est réel. Ok, on va enchaîner. On va s'envoyer rapidement un autre morceau. Salut. You gotta sign them off, man. You got a Rough Riders. Allô? Allô? Oh, he gone. Yeah. Allô? Attends, oh, il a vite passé un message de Max Supreme. You got Rough Riders. You know them. There you go. That's official right there, voilà, bro. Ça, c'est de la communication. On va s'envoyer un autre morceau et on vient. Merci beaucoup d'avoir intervenu. Désolé, c'est un peu un truc. Mais avant d'envoyer un morceau, il y a un morceau qui est sur iTunes et Amazon. Le Can Anthem. What I do this time? Yeah, Can Anthem. Yeah. You can put some. The Can's Anthem. Yeah. I can plug it. Yeah. 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 So with Chester DC, Fujimoroti. Yeah. The people can buy it on iTunes. On iTunes. Yeah. Yes, it's available right now. On va vous envoyer un petit extrait et on revient après ça. Vous êtes bien sur Glory Time 106.3. Soit tu te réveilles, soit tu dors pas. Ok, c'est parti.
touchdown. Kick, rush, stomp, shout. Kick, rush, stomp, shout. You better move. Big dogs in the yard and they gun chain. Storm the field stomping, rocking like a hurricane. Kick, rush, stomp, shout. Kick, rush, stomp, shout. You better move. Big dogs in the yard and they gun chain. Storm the field stomping, rocking like a hurricane. It's game time. Adrenaline is pumping hard. Got my game face on, about to stomp the yard. Captain of the team, make sure everybody ready. Position my defensive line, cock aim steady. We crushing everything, moving, that's a joint attack. PV sack the corner and the nickel, take the corner back. I'm in the center like fly, knock your mask off. A lot of garbage out your mouth, a lot of trash talk. Blood, sweat and tears every 106.3, soit tu te réveilles, soit tu dors pas. Là, on va commencer la session freestyle.